Mais pour aborder l'importance ou parler de l'importance de la conférence égypto-européenne sur l'investissement, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Youssef Abdelhadj. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, parlez-nous de l'importance de la tenue de cette conférence entre l'Égypte et l'Union européenne en ce moment. Bien sûr, il y en a beaucoup d'importance entre les relations de l'Europe et l'Égypte, parce qu'on voit maintenant que l'Égypte est un partenaire stratégique pour l'Europe, et ça se montre l'Europe et l'Égypte prend cette partenaire sérieusement et savoir ensemble comment on peut développer cette relation entre l'Union européenne et l'Égypte. Et on voit aussi que c'est des importances et il y en a beaucoup de résultats importants en fait, les partenariats bien sûr. Et si on voit en plus dans l'économique, ça montre que l'économique d'Égypte c'est très important pour l'Europe. Parce que, comme le président de la Commission européenne qui l'a montré, on n'a pas dans un autre pays, mais on reste toujours dans la même place, dans le Méditerranée. Et alors, ça montre que notre partenariat, c'est très important si on parle d'énergie, d'infrastructure, les transports durables, l'agriculture, la sécurité alimentaire, les transformations numériques, les sécurités de l'eau. Il y a plein vraiment des importants entre l'Égypte et l'Union européenne. Comme on voit, l'Égypte, c'est toujours les portes entre l'Europe et l'Afrique. Et ça vit politique, bien sûr, ça montre que l'Égypte est plus important pour l'Europe, et c'est ça que l'Europe a besoin toujours en partenaire fort. Par contre, toutes les situations, tous les défis entre l'Égypte, et ça montre que l'Égypte est toujours fort dans l'économique et ça tire toujours des investissements étrangers. On a vu dernièrement comment l'Égypte et l'Europe ils ont gardé tous les dossiers importants entre l'Union européenne et l'Égypte. Et tout ça, ça montre vraiment les bonnes relations entre les deux. Quel est le rôle ou bien comment le canal de Suez joue un rôle très important dans la réalisation du partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne? Et si on regarde les ventes du canal de Suez, c'est plus important parce qu'on peut développer toujours la place là-bas. Et on parle pas des canaux de Suez même, parce que ça, c'est de toute façon, c'est un méga projet entre en Égypte. Il y en a beaucoup de sociétés européennes qui sont travaillées dans ce projet pour larger des canaux de Suez, pour larger ou doubler les capacités des canaux de Suez. Et ça, c'était vraiment un méga projet. C'est très important pour l'Europe. Et ça facilite que toutes les marchandises qui entrent en Europe, ça ne prend pas plus de frais, plus de temps. Et maintenant, l'Égypte, comment il y avait des idées, bien sûr, pour faire des ventes commerciales, des ventes industrielles dans des services canals. Et ça donne beaucoup de chances pour dans les marchés privé, pour qu'il y en a beaucoup d'industriels, qui beaucoup de secteurs qui peuvent investir dans cette zone, et ça facilite beaucoup de choses comme ça. Et avant que tous les marchandises entrent en Europe, il y a des places qui ont pu, bien sûr, ont pu fabriquer, ont pu donner plus de services, ont pu faire tout qu'est-ce qu'il faut pour cette business ou cette marchandise avant qu'il entre en Europe. Alors l'Égypte, il a un bon place vraiment, l'histoire industrielle du Suez Canal, et ça donne beaucoup de chance pour toutes les petites entreprises qui cherchent plus d'investissements. Et ça, c'est vraiment que l'Égypte est en train de faire, donner des chances pour beaucoup de secteurs privés, parce que c'est pas juste ça qui
qui va garder de l'économie, même comme le président de Fatah Sissi l'a dit plusieurs fois, qui et les secteurs privés, c'est plus important dans les prochains étapes, parce que c'est un travail entre tout le monde ensemble, les grands entreprises aussi, les petites entreprises, et ça, et ça montre qu'il faut travailler tout le monde ensemble. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Youssef Abdelhadj. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous avez parlé de l'importance de relations égypto-européennes. On reste avec la conférence sur l'investissement. L'Union européenne et l'Égypte ont signé un protocole d'accord d'une aide macro-financière d'un milliard d'euros. La conférence sur l'investissement Égypte-Union et la signature du protocole d'accord sont les premiers résultats concrets du partenariat stratégique et global signé par l'Union européenne et l'Égypte en mars 2024, en reconnaissance du rôle géostratégique important.